Et salut tout le monde, ici Imperia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse un peu générale sur Gwent. Pas de decklist particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, un sujet assez important. Comment vous assurer quand vous allez copier une decklist, quand vous allez créer une decklist, quand vous allez jouer à un deck globalement, qu'il est ce qu'on appelle consistant. C'est-à-dire qu'il va bien marcher en général. Je vais donc traiter 4 points. Globalement, c'est une vidéo qui pourrait être très très longue. J'ai décidé d'aborder ce qui pour moi sont les 4 points principaux en les brossant assez légèrement. Si jamais vous avez envie que ce soit quelque chose qui soit plus poussé, que des points particuliers soient plus poussés, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires de la vidéo. On va commencer par un premier point assez important que je vais vous énumérer ici. C'est pas la peine pour l'instant de rentrer dans une decklist, je le ferai juste après. Ce premier point, c'est la mulligan. Votre deck sera d'autant plus consistant qu'il vous permettra de faire de bonnes mulligans. Alors je vais revenir sur ce point assez important mine de rien, sur qu'est-ce que c'est la mulligan et la particularité de la mulligan dans Gwent. La mulligan, c'est la phase où vous allez pouvoir changer des cartes de votre main par des cartes qui sont dans votre deck. Dans Gwent, en dehors des phases de jeu et donc des potentiels changements de cartes par des effets de cartes, il y a normalement 3 phases de mulligan, voire 2 si vous n'allez pas jusqu'à la manche 3. La première phase au tout début du jeu où vous allez pouvoir changer 3 cartes. La phase entre la manche 1 et la manche 2 où vous allez pouvoir changer une carte. Et la même chose entre la manche 2 et la manche 3 si jamais la partie ne s'est pas arrêtée à la fin de la manche 2. Ce qui est très important, c'est en particulier la première mulligan parce que vous allez changer 3 cartes et que la mulligan dans Gwent répond à une règle qui est la règle du blacklisting. Qu'est-ce que ça veut dire le blacklisting? Ça veut dire que dès que vous avez sur ces 3 cartes changé une première fois une carte, il n'y a aucun risque pour que vous la récupériez dans les 2 cartes suivantes. C'est donc le cas si vous changez une légendaire, donc une gold ou une argent, une épique. Mais en particulier, c'est le cas si vous changez une bronze, vous n'avez aucun risque de repêcher cette carte ou toute copie de cette carte. C'est donc hyper important. Ça va vous permettre de faire des choix stratégiques pour vous assurer de ne pas repêcher les cartes que vous ne voulez pas récupérer. Cette phase de mulligan, elle sera en particulier d'autant plus consistante que vous aurez ou non dans votre deck ce que je vais appeler des triplettes, c'est-à-dire des cartes qui sont les mêmes en bronze, en particulier à cause de ce système de blacklisting. Et cette mulligan, surtout ce qu'il va falloir que vous analysiez dans votre deck, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de cartes dans votre deck que vous ne voulez pas avoir dans votre main de départ. Par exemple, des triplettes qui vont s'appeler toutes les unes les autres. Donc on va par exemple avoir le cas des guerrières du clan de Drummond chez Skellige, des infanteries de Temaria chez Royaume du Nord, où quand vous en jouez une, en général vous allez sortir les 2 autres, donc vous voulez pas en piocher plus d'une dans votre main. C'est le cas aussi de la triplette argentée de monstres avec les moires, où là vous en voulez absolument qu'une seule, mais c'est plus dur à mulligan parce que le fait d'en avoir supprimé une moire n'empêche pas qu'une autre moire revienne, vu que c'est pas une exacte copie, et c'est la même chose pour les sorceleurs en argenté en neutre. Donc, quels sont le nombre de cartes que vous ne voulez pas dans votre main de départ et quel est le risque que vous voulez récupérer? La deuxième chose, et ça va directement être en lien avec le deuxième point que je vais aborder, c'est quelles sont les cartes que vous voulez absolument dans votre main de départ. Et donc là, je vais aborder plutôt une autre optique de consistance de votre deck qui est la capacité de votre deck à réaliser son combo principal. Donc pour ça, on va rentrer dans une decklist pour illustrer mon propos, mais la decklist est juste là pour illustrer, c'est pas le propos en particulier. Donc une decklist que j'ai joué récemment, Royaume du Nord, une decklist qui va gagner énormément de puissance, ou plutôt va perdre complètement sa puissance, si vous ne sortez pas le combo suivant, c'est-à-dire dans votre main de départ, vous voulez absolument le gardien et un sergent de Kaedwen. Donc il faut que vous ayez cette combinaison de cartes dans votre main, parce que ce deck marchera d'autant mieux que vous pourrez faire Fall Test au tour 1, Gardien au tour 2, en copiant un Sergent de Kaedwen. Si vous ne faites pas ça, votre deck perd au moins un tiers, voire la moitié de sa puissance globale dans la partie. Donc bah, vous allez pouvoir essayer de mulligan pour avoir ces exactes 2 cartes, mais sans avoir fait le calcul exact, la probabilité que ça se passe est moyenne. Pas proche du 50%, et quand vous avez un deck qui dépend autant d'un tel combo, vous ne pouvez pas juste accepter que dans 50% des cas, ça se passe mal. Donc vous allez, pour pouvoir améliorer justement la consistance de votre deck et vous assurer son combo, rajouter des cartes qui vont permettre de le favoriser. Ici dans ce deck, on a Renfort, qui va vous permettre d'aller être sûr que l'opérateur, vous pouvez aller le chercher. Donc si vous avez Renfort dans votre main de départ, c'est la même chose que si vous aviez le gardien. Donc au final, l'un ou l'autre se compense, et donc avoir l'un ou l'autre marche très bien dans votre main de départ, donc vous avez une chance supplémentaire.
On a aussi le cas de la double croix d'Alzur. Alors, double croix d'Alzur, c'est un peu plus subtil parce que par défaut, dans votre deck, elle va aller chercher Talar. Mais si vous avez Talar dans votre main de départ et la double croix d'Alzur, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous allez prendre le gardien. Donc une chance supplémentaire. Et ensuite, si jamais malgré tout, vous n'avez pas ce qu'il faut pour pouvoir aller sortir votre combo avec juste les cartes de votre main, vous allez du coup générer de quoi pouvoir ou ajouter des cartes pour pouvoir piocher, pour pouvoir aller chercher votre combo et vous donner plus de possibilités. C'est ce qui se passe avec Avalar, par exemple. C'est aussi le cas de Talar. Talar vous permet d'aller piocher et donc donner plus d'opportunités à votre deck de générer son combo. Hyper important si vous avez un deck qui est très très dépendant justement de cette stratégie de combo. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle en anglais le deck thinning. Donc c'est le fait de pouvoir dépenser, sortir le plus possible les cartes de votre deck. En effet, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, on va chercher à réduire le deck au plus petit, donc c'est-à-dire à 25 cartes, parce que justement, on l'a construit pour que toutes les cartes aillent le mieux possible ensemble, que des combos se créent, et que la puissance globale de votre deck soit d'autant plus forte que vous jouerez toutes vos cartes. Donc, si vous réussissez à la toute dernière manche, en gros, à avoir joué 24, voire 25 de vos cartes, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir eu tout le potentiel de votre deck que si vous arrivez à en jouer que 13 ou 14. Globalement, dans Gwent, on commence la main de départ, c'est 10 cartes. On va ensuite en piocher 2, donc ça fait 12. Et on va ensuite en piocher 1, donc ça fait 13. Donc si vous n'avez aucun effet de deck thinning ou de pioche, vous allez utiliser 13 sur 25 de vos cartes. Donc ça veut dire qu'il y a presque la moitié de vos cartes que vous n'allez pas jouer. C'est donc hyper important d'avoir des mécaniques pour pouvoir aller vider votre deck au fur et à mesure. Par exemple, dans ce deck, on en a plusieurs. On a les Fantassins Temaria, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, ce que j'appelle les triplettes, donc qui vont, quand vous en jouez un, sortir les deux autres. Donc là, ça veut dire qu'on passe, non pas on passe de 13 cartes potentielles jouées à 15. On en rajoute 2. On a le Commandant d'Esprit Bleu qui va être joué dès qu'il a une créature avec la même puissance que lui. Globalement, le deck est fait pour que quasiment toutes les créatures ce soit le cas. Donc il sort tout seul. On passe à 16. On a les éclaireurs des chasseurs de dragons qui vont pouvoir vous permettre d'aller sortir des cartes que vous avez en plusieurs exemplaires déjà sur le plateau. C'est le cas des trébuchets, des sergents de Caedwen et pourquoi pas des éclaireurs de Sribleu. Donc là, on passe à 16 et 3, 19 cartes. Et ensuite, on a de la pioche. Avalar, 21. Double croix, 22. Renfort, 23. Talar, 24. On pourrait même aller au-delà, mais évidemment vous allez vouloir éviter, en se disant qu'avec renouveau sur Avalar, on peut aller piocher encore plus. Donc on a un deck qui peut assez facilement se jouer entièrement sur une partie, si tant est que la partie dure suffisamment longtemps. C'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention aussi, parce que si en face de vous, vous avez justement un deck qui se vide un peu moins vite que vous, sur la dernière manche, surtout il faut que vous vous assuriez qu'il ne va pas se permettre de piocher plus de cartes que vous, c'est-à-dire que s'il vous reste plus de cartes ou une seule carte, sur la dernière manche, et qui vous joue un Avalar, lui va piocher 2, vous allez piocher que 1 ou que 0, et donc vous allez perdre beaucoup de cartes d'advantage. Votre deck aura fait la value que vous vouliez, mais s'il joue plus de cartes que vous, ou dans une meilleure condition, il sera dans une meilleure situation. Donc ça c'était l'aspect deck thinning. Le dernier point, la sensibilité. Oui, les petits decks sont sensibles, ils ont un petit cœur. Ils surtout sont très très sensibles à des choses en particulier. Ça peut être des match-ups. Ce qu'on appelle match-up, c'est le fait d'affronter un autre deck. On va appeler miroir le fait d'affronter le même deck exactement. Et ça, en général, ça se joue vraiment à les cartes que vous réussissez à piocher par rapport à l'adversaire, l'ordre dans lequel ça sort, et la connaissance des decks. Mais c'est des choses un peu compliquées. Mais sinon, vous avez des match-up où vous êtes opposé à des decks différents des vôtres. Pour que vous puissiez considérer votre deck consistant, il faut se débrouiller pour avoir majoritairement des match-ups positifs, c'est-à-dire des match-ups où vous allez gagner plus de 50% du temps, et minoritairement des match-ups négatifs, c'est-à-dire des match-ups où vous allez perdre plus de 50% du temps. Mais surtout, c'est là que rentre un petit peu en jeu la connaissance globale de ce qu'on va appeler la méta, c'est-à-dire que, en tout cas ce que je vais appeler moi la méta, je ne sais pas si c'est forcément le mot à utiliser, c'est-à-dire ce qui est joué globalement et en particulier sur le ladder, donc la partie classée du jeu. Parce que, on le sait que c'est le cas actuellement et ce sera toujours le cas, il y a un déséquilibre entre le potentiel de choses jouables et les choses qui sont effectivement jouées par les gens. Votre objectif, vous, ça va être de trouver le deck qui a des très bons match-up, ou en tout cas des bons match-up contre ce qui est beaucoup joué, et pourquoi pas des mauvais match-up contre ce qui est peu joué. Mais surtout pas l'inverse. Donc ça, c'est très important de faire attention à ça, et ça, ce sera avec la connaissance générale du jeu, en ayant des outils de statistiques que vous pourrez le déterminer. Une autre type de sensibilité, un peu moins importante, mais à faire attention aussi, et pour ça,
je vais vous présenter un autre deck. Encore une fois, qui est juste là pour le propos, la decklist en soi est pas importante. Un deck Scoia'tael qui se base sur le fait de beaucoup mulligan justement les cartes, les changer, et de booster les avant-gardes de Vriette, gagne un point à chaque fois que vous allez mulligan une carte. C'est typiquement le genre de carte qu'on trouve dans toutes les factions avec différentes synergies qui les font être boostées, qui au départ, si vous les jouiez au tout premier tour, vont être toutes petites, là c'est des cartes qui valent 4, mais si vous la jouez sur la dernière manche, ou en tout cas en fin de partie, vont valoir 15, voire plus. Typiquement, ce genre de deck est très sensible à des cartes en particulier. En particulier, je pense tout de suite à la carte Régis, le vampire supérieur, parce que les adversaires, sachant ce que vous jouez, vont aller le jouer au moment opportun pour aller vous manger une de vos cartes hyper boostées. Ça va déjà donner beaucoup de valeur à votre Régis, et en plus, ça va largement amputer votre condition de victoire de fin de partie. Si en plus, la personne joue renouveau, il peut rejouer Régis une deuxième fois et potentiellement vous réduire de deux tiers ou de moitié si vous avez réussi à copier avec un gardien votre avant-garde, votre condition de victoire. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à savoir quand vous allez tomber contre un autre deck, si c'est un deck qui a le potentiel d'avoir ses contres ou pas, et en fonction de ça, changer votre plan de jeu. Par exemple, si vous êtes contre un deck où vous savez que dans 95% des cas, il ne va pas pouvoir jouer Régis parce que les goals sont trop importantes pour lui et qu'il ne veut pas mettre Régis, vous pouvez jouer naturellement et sans trop vous poser de questions. Si vous êtes contre un deck qui va naturellement jouer Régis ou dans presque 50% des cas, même dans 30% des cas, va pouvoir jouer un Régis, là vous allez changer un peu votre stratégie. Si vous savez qu'il joue Régis, vous allez essayer de ne pas renvoyer d'avant-garde dans votre deck, donc de ne pas les mulligan, de les garder dans votre main, parce que Régis mange les créatures dans le deck. Si vous avez vos 3 avant-gardes dans votre main, quand il va jouer son Régis, parce qu'il va vouloir le jouer, il va être assez déçu et vous allez être plutôt content d'avoir réussi à protéger votre condition de victoire de fin de partie. Donc voilà les 4 points que je voulais aborder. En conclusion, quand vous allez retrouver une liste, créer une liste, tester une liste, pensez bien à ces 4 choses. Est-ce que quand je fais ma mulligan, je vais réussir généralement à avoir les cartes que je veux et ne pas avoir les cartes que je ne veux pas? Est-ce que si j'ai un combo dans mon deck, il est facile de le récupérer? Est-ce que je vais réussir à aller puiser suffisamment loin dans mon deck pour pouvoir au maximum chercher toute la synergie de ce dernier et donc justement retrouver toutes les cartes qui m'intéressent? Et enfin, est-ce que je connais les sensibilités de ce deck et dans la méta justement, si je veux aller le jouer en ladder, il est plutôt dans une sensibilité positive par rapport à la méta ou dans une sensibilité négative par rapport à la méta? Petite deuxième conclusion. Si on analyse un petit peu, on comprend un peu mieux aussi pourquoi actuellement Skellige est si fort au-delà de la puissance des cartes en tant que telle. C'est parce qu'il répond clairement, et Skellige et les quelques decks Skellige qui sont joués, ils répondent clairement à ces 4 points. La mulligan est plutôt simple avec Skellige. Vous allez globalement ne pas vouloir Morvargue, les attaquants du clan si vous en jouez, et les guerrières du clan Drummond, ou en tout cas n'en avoir qu'une seule. Il n'y a pas spécialement de cartes que vous voulez plus que d'autres. Toutes les cartes ont une grosse importance, à la limite les prêtresses, peut-être si vous jouez des prêtresses, vous allez vouloir les mulligan parce qu'elles sont un peu moins fortes sur le premier round, et encore, vous jouez un ours, vous ressuscitez un ours, vous êtes content. Est-ce que vous avez des combos particuliers? Pas spécialement. Donc du coup, vous n'êtes pas spécialement dans le mal avec cette chose-là. Vous allez sortir votre carte principale qui est hyper importante, qui est Morvargue, naturellement grâce à votre pouvoir de héros, donc vous n'avez aucun problème, et c'est presque la seule carte combo que vous avez. Est-ce que vous allez réussir à vider votre deck? Ah oui, assez facilement. Vous avez les attaquants du clan qui vont sortir naturellement. Vous avez les guerrières du clan Drummond qui vont s'appeler les unes les autres. Vous avez Morvargue qui sort avec vos pouvoirs de héros. Bref, c'est peut-être potentiellement un deck sur lequel il va rester 6-7 cartes des fois à la fin de la partie. Donc vous allez en jouer qu'une vingtaine. Et encore, si vous jouez à Valar, vous allez pouvoir les puiser un peu plus loin. Mais globalement, vous allez réussir à sortir une grosse majorité de vos cartes. Pour finir, quelle est la sensibilité de votre deck? Vous n'êtes pas spécialement sensible à des cartes en particulier, et on le sait très bien, globalement, Skellige a des très bons match-up, quasiment contre tout. On le sait aussi, parce que c'est comme ça que le jeu est en train de tourner un petit peu, le match-up le plus compliqué, c'est Monstre, et c'est aussi pour ça qu'on voit que la deuxième faction en ce moment présente sur le ladder, c'est Monstre, parce que c'est le deck qui a le plus de potentiel pour contrer Skellige. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que, encore une fois, le format vous a plu. Si vous voulez plus de précision, parce que c'était vraiment un brossage de différents points qui me paraissent importants, encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye.